Octobre Rose était lancé ce jeudi soir à l'espace culturel de Biganos. En présence de la JDK et de la Ligue contre le cancer, cet événement a pour but de sensibiliser les femmes au réel danger du cancer du sein s'il n'est pas dépisté à temps. Celui-ci est gratuit et est proposé à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. La ville de Biganos se mobilisera tout au long du mois d'octobre afin de proposer diverses activités pour mettre un coup de projecteur sur cette initiative nationale. Nous avons une mission de santé publique sur le territoire, donc qui nous est confiée par la Direction générale de la santé, pour offrir aux femmes une mammographie gratuite entre 50 et 74 ans. Donc c'est un dépistage qui est gratuit. Cette mammographie, elle est relue par un deuxième radiologue chez nous, donc dans notre centre qui se situe à Mérignac. Et c'est cette deuxième lecture, ce dépistage renforcé, si je puis dire, qui donne une garantie supplémentaire pour un meilleur dépistage. Voilà. Quelque chose de très important, puisque ça permet, quand il est détecté tôt, d'être guéri. Hein. C'est un cancer que l'on peut voir très 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 tôt, grâce à la mammographie. Et deuxièmement, qu'il soit gratuit, bien évidemment, ça permet une certaine égalité de la population par rapport à l'offre de soins et à la santé. Donc oui, détecté tôt, il est guérissable. Donc il faut se faire détecter, il faut se faire dépister tous les deux ans pour avoir une meilleure santé, tout simplement. Donc par rapport au programme d'Octobre Rose, donc on a un petit peu ce rôle de coordination de toutes les actions qui vont avoir lieu sur le territoire girondin. Elles sont nombreuses, ces actions, et elles sont portées par de nombreux partenaires, comme la Ligue ici présente, mais d'autres partenaires travaillent aussi dans le cadre d'Octobre Rose. Je citerai le comité de prévention des dépistages et cancers, je citerai le CHU de Bordeaux, je citerai l'Institut Bergonier. Donc nous sommes nombreux à travailler sur les territoires, et là je remercie les élus et les collectivités territoriales de s'associer et de favoriser des actions sur les territoires pour qu'on puisse venir nous émettre cette parole qui est un message très clair, un message de dépistage, de prévention. Voilà. Donc je vais resituer un petit peu, si vous voulez, l'intervention de la Ligue dans cette instance ici, c'est que nous sommes effectivement présents tout au long de Octobre Rose, au travers de la sensibilisation du public, dans des événements comme des courses, comme des événements qui sont un peu plus festifs et qui font un peu plus d'attractivité auprès des femmes, mais aussi auprès de leur famille, auprès de tout le public, qui, grâce justement à cette loi qui a mis en place ce dépistage gratuit entre 50 et 74 ans, fait un peu mieux reconnaître l'importance de se faire dépister. Parce que malgré tout, on a quand même de bons résultats par rapport à ce dépistage en Gironde, comme par exemple 57%. Mais dans l'ensemble, il y a encore des personnes qui n'y vont pas, n'y accèdent pas. Voilà.